giờ chia tay lần cuối gượng cười, mà nghe tim đớn đau xa rời. Bien qu'il se fasse plutôt rare sur les plateaux TED, Axel Bauerhen a pas pour autant arrêté sa carrière musicale. Comme ses compères, le chanteur observe une pause forte du fait de la crise sanitaire. Il est et fait connaître du grand public en 1983 grâce à son tube Cargo. Cette mélodie pop rock a véritablement lancé sa carrière et elle a propulsé vers les sommets. Le 7 avril 2021, il soufflait sur sa 60e bougie. C'est occasion idoine de se pencher sur sa vie actuelle. Il a collaboré avec plusieurs artistes jusque. En 2013, Axel Bauer sortait des albums à une fréquence assez régulière. Il a composé et écrit pour de grands noms de la musique française. On peut citer à titre illustratif Julie Zenati et Johnny Hallyday. Il a aussi chanté en duo avec Zazie et Florent Pagny. Plusieurs œuvres collectives. Axel Bauer a également participé à plusieurs albums collectifs. De 2002 à 2006, il a fait partie de la troupe des Enfoirés. Il a écrit un morceau pour la comédie musicale Dracula et interprète le disque Livre pour enfants, Elle, École des Fables. Après toutes ces expériences, celui qui a perdu son papa en 2018 avait besoin de faire un break. Il est exilé plusieurs mois dans le Sahara avant de faire son comeback. Son actualité récente en 2019, le chanteur a participé à elle, album instrumental United Guitars. Ceci lui a valu d'être une des stars du 38e festival de blues de Cahors. Il avait prévu se produire en 2020 et même en 2021, malheureusement pour lui la pandémie mondiale en a dit ça et d'autrement. Il profite donc de la trêve force pour se ressourcer et revenir plus fort comme à son habitude. Elle, équipe D, Amo Mama lui souhaite un bel et heureux anniversaire. Patrick Hernandez a 72 ans. Sa vie actuelle. Patrick Hernandez, le roi du disco et interprète du légendaire Born to Be Alive, a fêté son 72e anniversaire le 6 avril 2021. Portrait de Patrick Hernandez. Photo. Getty Images. Plus de 40 ans après sa sortie, le tube continue d'avoir du succès, de faire danser les amoureux du disco. Nous nous sommes intéressés à la vie actuelle du chanteur. Décryptage.